Le 22 juin 1941, le même jour que celui de l'invasion de la Russie par la grande armée de Napoléon en 1812, commence l'opération Barbarossa, la plus colossale offensive de l'histoire. Plus de 3 millions de soldats allemands montent à l'assaut de quelques 100 divisions soviétiques sur un front qui s'étend sur des milliers de kilomètres. L'opération a été soigneusement supervisée par Hitler lui-même, qui, fort de sa stupéfiante victoire éclair sur la France, va prendre de plus en plus le pas sur ses généraux. Il supporte de moins en moins leur mise en garde ou leurs rares critiques. Malgré de nombreux avertissements, dont ceux transmis par Sorg, correspondant allemand à Tokyo, qui communiquera dès le mois de mars 1941 au Kremlin tous les détails du plan d'invasion, Staline se refuse de croire à l'imminence d'une attaque allemande. Quelques heures, la Luftwaffe cloue au sol l'essentiel de l'aviation, les blindés soviétiques déployés à l'ouest de Moscou. Le début de la campagne semble donner raison à Hitler, qui prévoyait un effondrement rapide de l'armée rouge. En moins d'un mois, un quart de la Russie d'Europe est conquise. Jusqu'au dernier moment, pourquoi nous étions là? Parce que personne n'osait penser à une attaque contre la Russie, qui était officiellement alliée d'Hitler. Et lorsque c'était parti, donc évidemment, à ce moment-là, nous avons été très vite confrontés avec une toute autre guerre que toutes celles que nous avions menées jusque-là. Du côté soviétique, on se trahit par l'Allemagne. Un traité d'amitié et de non-agression, préparé par le voyage de Molotov à Berlin et qui avait pris de court le monde, n'avait-il pas été signé le 23 août 1939? De plus, dans un protocole secret lié au traité et qui sera nié par la propagande soviétique jusqu'en 1989, les territoires perdus par les bolcheviks pendant la guerre civile avait été rendu à l'URSS. Staline était en droit de penser qu'il pouvait, sans guerre, se partager l'Europe avec Hitler. Le pacte germano-soviétique ouvrait fait la porte au deuxième conflit mondial. Hitler n'avait fait qu'une bouchée de la Pologne, écrasée sous les bombes et dont les divisions à cheval ne pouvaient rien contre les panzers. La jonction avec les soviétiques, qui, dès l'invasion allemande, occupait les territoires accordés par le pacte, fut rapide. Image obscène pour les Polonais vaincus. La Wehrmacht et l'armée rouge défilent triomphalement côte à côte. Pour justifier le traité de non-agression germano-soviétique, la propagande de Staline invoquera la nécessité de du temps.
Mais le répit gagné ne pouvait être suffisant pour réorganiser une armée rouge décimée par les purges et qui, de plus, n'avait pas été mise en état d'alerte. Le général Hans Guderian, vainqueur de la campagne de France, théoricien du Blitzkrieg, la guerre éclair, et dont le corps blindé est fer de lance du groupe d'armée centre, pense s'emparer de Moscou en 3 mois. Les unités de l'armée rouge se battent durement, mais sont hors d'état de reprendre l'initiative. À Minsk, Tensk et Kiev, les soviétiques sont faits prisonniers par centaines de milliers. Les Russes étaient parfois tellement démoralisés qu'un simple appel de notre part, du haut de notre tourelle, ils se rendaient près de 15, 20, 25 parfois. De l'autre côté, il y a parfois eu des résistances épouvantables, très, très, très dures. La ligne Staline, qui était à peu près à 100 km plus à l'est de notre ligne de départ, était très, très sévèrement défendue et nous avons eu des très, très grosses pertes devant la ligne Staline. Staline et la Stavka, l'état-major soviétique, n'ont pas encore pris la mesure de l'ampleur de la perte allemande. En donnant l'ordre de tenir à tout prix les villes importantes avant Moscou, le chef suprême commet une grave erreur stratégique et facilite les opérations d'encerclement dont les panzers se sont fait une spécialité. Nous n'avions plus de munitions, plus de nourriture, plus rien. Et les Allemands nous prenaient comme des perdrix aveugles. Avec le chef de l'état-major, nous nous sommes réfugiés dans une grange où les Allemands nous ont trouvés au petit matin. Ils étaient arrivés au nombre de 5 et ils nous ont fait prisonniers. Nous n'avions plus d'armes. Les Allemands disaient, nous ne pensions pas avoir autant de prisonniers. Nous n'avons pas de quoi vous nourrir. Car en octobre, il y avait déjà 5 millions de prisonniers. Ces 6 armées, avec une vingtaine de généraux prisonniers, des centaines de colonels et 600 000 prisonniers, presque tout le front sud-ouest s'est retrouvé prisonnier. Joukov ne cessait de demander à Staline de les retirer de cette poche.
Mais Staline disait de les maintenir sur place pour contenir l'avancée allemande. Les Allemands étaient déjà 100 km plus à l'est, il n'y avait plus rien à faire. Когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, полит их нашим потом. Захват нашего хлеба и нашей нефти, добыт их нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и строили свою работу на новый военный лад, не знающий пощады врагу. Необходимо знание, чтобы в наших рядах не было места нытикам, трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских прародителей. On a été touchés par ce nouveau ton quand il nous a dit que la situation était critique et que nous devions tous faire quelque chose. Ce n'est pas que son discours est réconforté, mais il était nécessaire, on l'attendait et tout le monde a aimé l'entendre. Хорошо его выступление. Оно нужно было тогда. Дом одного своего, с кем я училась. Chez un de mes camarades d'études, dont la famille était de vieux bolcheviques, j'ai vu des petits drapeaux plantés sur différents points d'une carte et qui représentaient la ligne du front. J'ai compris, d'après ce que le père a raconté, que c'était terrible et que les gens s'attendaient au pire. L'atmosphère était vraiment difficile. Quant à l'état d'esprit général, beaucoup ne disaient rien, mais pensaient que les Allemands étaient une nation civilisée, qu'ils viendraient pour liquider ce système, les kolkhoz, les répressions, et qu'ils apporteraient quelque chose de positif. Mais très vite, un revirement s'est produit dans les états d'esprit. On pouvait l'observer dans toutes les couches de la population. Dès qu'on a commencé à apprendre que sur les territoires occupés, les Allemands commettaient des exactions vis-à-vis de la population, qu'ils exécutaient, qu'ils pendaient des gens, là, l'attitude envers les Allemands a changé. À la fin de 1941, la Wehrmacht a fait plus de 2 millions de prisonniers. Le Jelkilmansegg, à l'époque jeune officier sur le front de Leningrad, a été frappé par les propos d'un chef de bataillon soviétique qu'il venait de capturer et qui était visiblement plus vieux que les officiers habituellement faits prisonniers. Wir saßen beide zusammen, so auf dem Boden, irgendwo im Wald. Es war ein Oberstleutnant. Nous étions assis tous ensemble sur le sol, quelque part dans la forêt, et il m'a semblé qu'il était très vieux en comparaison des autres. Je lui ai demandé comment c'était possible. Je lui ai dit, nous avons constaté que dans le commandement russe, tous étaient très jeunes. Et il a dit, je peux vous expliquer, j'ai été limogé, mis à la retraite après l'affaire Tukhachevski, et l'on m'a maintenant rappelé, mais non promu. Par ailleurs, mes parents ont tous deux été exécutés par les bolcheviks. Alors, j'ai répondu spontanément, voyez-vous, il est pour moi difficile de comprendre
cet homme avait mené un combat remarquable, que vous vous battiez autant pour Staline. Il a secoué la tête et il a dit, ne vous trompez pas, nous ne nous battons pas pour Staline, nous nous battons pour la Russie. Le mythe de la mère Russie, il existe, peu importe qui gouverne là-haut. Pour les Ukrainiens, première victime de la grande famine des années 30 et de l'impitoyable répression menée par le NKVD contre les nationalistes, la mère Russie était plutôt une marâtre. L'accueil triomphal qu'ils firent aux Allemands entretint l'illusion d'une fin rapide de la guerre. L'accueil s'explique tout simplement par le fait que la population, surtout ukrainienne à l'époque, était certainement pas très en faveur de Staline et du régime soviétique, parce que n'oublions pas qu'il y avait la grande disette, pour ne pas dire plus, à l'année 30, où il y avait des millions de victimes en Ukraine. Donc ils nous ont reçus vraiment comme le libérateur et ils étaient très anti-staliniens. L'offensive proprement dite sur Moscou, que Guderian espère finale, commence le 30 septembre 1941. Au début de l'hiver, les panzers sont à 25 km du Kremlin. L'objectif semble hors de main. Staline ne peut pas se permettre de perdre la capitale. Pour galvaniser la population, il va s'adresser à nouveau au pays. À la surprise générale, il appelle à la rescousse tous les héros de l'histoire russe, d'Alexandre Nevsky aux généraux Souvorov et Koutouzov qui avaient vaincu Napoléon. La guerre devient sacrée et engage tout un peuple. Le peu de valeur accordée par les dirigeants soviétiques à la vie humaine va trouver dans la bataille pour Moscou sa première application. Sans entraînement, des civils à peine armés sont envoyés immédiatement au front et vont disparaître presque totalement dans les premiers combats pour la défense de la ville. En nommant Joukov au commandement du front de Moscou, Staline va dominer sa méfiance congénitale pour les généraux et faire le bon choix. L'ancien serge armé du tsar va se révéler un des meilleurs stratèges soviétiques en même temps que le moins économe des chefs de guerre russes de la vie de ses hommes. Жуков – это очень грамотный, твердый. Жуков est un homme très autoritaire, très instruit, très ferme, qui n'avait pas peur de dire la vérité à ses supérieurs, de défendre ses propositions. Et cela ne plaît pas à tous les supérieurs. Pendant la guerre, Staline s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se passer de Joukov. Il faut le dire, Joukov a sauvé Leningrad et Moscou. Quand Staline l'a fait venir de Leningrad, il lui a posé la question. Sauverons-nous Moscou? Le gouvernement était déjà à Kouibitchev, où un bureau était prêt pour Staline. Ils étaient préparés à quitter Moscou. Il n'avait aucune certitude. Et à cette question de Staline, Joukov a répondu, « Oui, nous sauverons Moscou. » Les divisions de Sibérie sont alors arrivées de façon étonnamment rapide pour nous, et en marchant qui plus est. Ma division a été attaquée le 6 décembre par deux divisions sibériennes. Nous avons constaté que la majorité de ces divisions de Sibérie venaient de marcher pendant 6 semaines, et elles n'avaient pas été transportées. Et elles étaient arrivées 2 jours auparavant seulement, et n'avaient donc eu qu'un jour de repos.
Je signale ce fait parce qu'il montre ce que peut le soldat russe. Pour cela, il était meilleur que le soldat allemand, mais pas pour la formation. Là, c'était nous les meilleurs. So was konnte er besser als der Deutsche. Nicht ausbildungsmäßig taktisch. Da waren wir besser. Par un froid polaire, tous ceux qui n'ont pas été mobilisés dans l'armée, hommes, femmes, enfants, travaillent 12 heures par jour dans les usines d'armement. La guerre à l'Est tourne à l'apocalypse. La Wehrmacht n'a pas d'équipement d'hiver et son matériel est inadapté aux conditions climatiques extrêmes. L'hiver est précoce et tout de suite glacial. Par moins 40, tout blessé non secouru dans le quart d'heure meurt gelé. Les mitrailleuses s'enrayent et il faut uriner sur les canons pour les faire fonctionner. Les soldats allemands découvrent les poux qui leur transmettent le typhus et qui les accompagneront pendant toute la guerre. En voyant ces images, ça m'a fait revivre ces scènes terribles de l'hiver 41-42 que j'ai vécu pendant toute la longueur. Et l'irruption de l'hiver s'est faite à peu près à la fin de novembre. Et la température baissait jusqu'au record absolu, fin janvier 42, toujours dans la région de Koursk, à moins 53. Je me souviens qu'un de mes frères m'a raconté que les Russes leur avaient dit les petites bêtes qui vivent dans la terre, ils se sont mis beaucoup plus profondément dans la terre cette année. C'est toujours un signe d'un très grand froid. Donc nous étions quand même spirituellement, si on veut dire, préparés à une épreuve. Mais que nous en ignorons complètement que c'était à telle échelle. Вначале было полное превосходство немцев. Malgré la supériorité des Allemands, et quoi qu'on en dise, l'hiver a joué son rôle contre les forces allemandes. J'ai moi-même vu leur état pitoyable et leurs vêtements légers avant l'offensive sur Moscou qu'ils comptaient prendre avant l'hiver. Et puis leur équipement n'était pas conçu pour ces conditions de combat. Leur refroidissement par eau gelait, et ils utilisaient nos voitures. Les voitures IL-5 prises au combat parce que les leurs ne pouvaient pas avancer dans des neiges trop profondes. Chaque fois qu'il y avait la fin dans l'engagement, on sortait les batteries. Le matin, il fallait faire un feu de paille, parce qu'il y avait d'autres feux ou de pétrole sous les trucs, les moteurs des chars. Il fallait redémarrer à la marivelle. Tout ça, ça prenait énormément de temps. Donc, on n'était pas capable de réagir très vite à une attaque surprise. Et c'est pour ça que les Russes, très souvent, nous ont overpowered, comme on dit en anglais. Ils nous ont surpris et vaincus. Avec sa chapka, ses bottes en feutre et son gilet matelassé, Ivan, comme la Wehrmacht appelle le soldat soviétique, est en bien meilleure condition et sa résistance suffira les Allemands. Autre découverte, le char T-34. Très maniable, avec ses grosses chenilles qui ne s'enlisent pas
Ce char, qui sera un des symboles de la Grande Guerre patriotique, surclasse les Mark III allemands des débuts de la guerre. La contre-offensive, montée par Joukov, commence le 5 décembre. Gardés en réserve, bien entraînés et équipés pour le froid, les régiments sibériens, à peine arrivés à Moscou, partent à l'assaut des éléments avancés allemands. En 10 jours, la Wehrmacht est contrainte de reculer de près de 100 km. Moscou est sauvée. Autre épreuve à laquelle les Allemands ne sont pas plus préparés qu'au froid, la boue, qui paralyse le matériel et les voies de communication. Le pire moment était la célèbre période de la boue, la Rouspitz, Rasputsinka, comme les Russes l'appellent, où le ravitaillement n'arrivait plus. La distance entre le premier char de notre division et le dernier camion de ravitaillement était de 300 km à l'époque. Donc on ne comptait plus tout cela, mais il n'y avait pas de cigarettes, il n'y avait pas de courrier, pendant les semaines, pas de courrier, il n'y avait donc rien, tout ce qui devait normalement arriver par derrière. Et les roulantes ont réapparu au moment des premiers froids, parce que là, ils pouvaient rouler à nouveau. Und waren noch die Sterne der Heimat nicht. À ce moment crucial de la guerre, que le monde entier croyait perdu par l'URSS, l'aide des alliés occidentaux va jouer un rôle essentiel. D'abord sur le plan du ravitaillement des grandes villes. Les rations K, aliments conditionnés américains, y gagnent le surnom de deuxième front. En moins d'un an, le gouvernement soviétique a réussi à délocaliser l'essentiel de l'industrie d'armement dans l'Oural. 1500 usines vont bientôt produire plus de blindés et d'avions que celles du Troisième Reich. Le général Vlassov, héros de la bataille de Moscou, très apprécié de Staline, est fait prisonnier sur le front de Leningrad en 1942. Grand succès pour l'Abwehr, le contre-espionnage allemand, qui estimait dès 1941 que pour vaincre l'URSS, il fallait s'appuyer sur l'anti-stalinisme et favoriser une guerre civile. Vlassov va accepter d'organiser une armée de libération russe. Обращайте оружие
против большевистских узурпаторов, поработивших народ России и обревших их на голод, страдания и бесправие. En 1944, les Vlassov seront plus de 150 000. Si l'on ajoute ceux que dans la Wehrmacht on appelle les Iwis, soldats auxiliaires qui combattront à ses côtés, on arrive au chiffre considérable d'1,5 million de Russes qui ont servi sous l'uniforme allemand. Народ, мой любимый, отчизна родная, я сын твой, я русский, сел-сел! Découvert par les Allemands en 1943, le massacre de Katyn, perpétré par le NKVD, les unités de l'armée rouge, qui ont exécuté en 1940 près de 30 000 officiers et cadres polonais, dont 4 000 rien qu'à Katyn, révèle au monde l'ampleur des persécutions exercées par les soviétiques contre les peuples non russes. La propagande nazie se servira du massacre de Katyn pour recruter tous ceux qui déclareront vouloir lutter contre Staline et qui seront ensuite presque tous exécutés comme collaborateurs par le NKVD. Un des grands ordonnateurs de la politique de collaboration dans les pays de l'Est fut Hermann Göring, le plus cynique et le plus corrompu des hiérarches Troisième Reich. Ayant la haute main sur toute l'économie de guerre, son voyage en Ukraine avait pour but de dresser un inventaire des possibilités des territoires occupés, en particulier le recrutement des sous-hommes slaves, pour participer à ce que les nazis appelaient la bataille du travail. La population, qui avait taillé les Allemands avec des fleurs, va rapidement découvrir le vrai visage des libérateurs. Réquisition du bétail et des récoltes vont précéder l'acheminement vers le Troisième Reich de milliers de travailleurs forcés. En fait, ceux qui voulaient abattre Staline et son régime se sont rapidement retrouvés aux côtés de ceux qui ont commis pendant cette guerre autant et même plus de crimes que les bolcheviks antérieurement, les Einsatzgruppen, SS et la Gestapo. Cet accueil amical et cette collaboration, dans une certaine mesure, s'est effondré très vite, d'ailleurs, malheureusement, parce que très vite, les populations ont senti qu'ils étaient utilisés comme, je dirais presque, esclaves. Nous avions tous intimement la conviction de combattre là un peuple qui était
culturellement, civilisatoirement, inférieurs à nous. C'est incontestable. Il faut dire que les soldats allemands, voyant cette extrême pauvreté dans les villages, ça renforçait en eux en permanence le sentiment de combattre un peuple inférieur. Disons-le, inférieur. Pas Untermensch, mais un peuple inférieur. Il y avait des troupes spéciales de la SS, des célèbres Einsatzgruppen, n'est-ce pas, dont la tâche unique consistait à supprimer la juiverie, comme on disait, la sous-humanité juive. Mais ça, c'est des choses que le troupe de soldats combattants ne savait absolument pas, parce qu'il n'avait tout simplement pas le temps, à moins que par hasard, à l'occasion d'un renvoi en arrière pour aller chercher quelque chose en arrière, vous voyez ça par hasard. Mais surtout l'administration nazie, qui avait très vite pris possession des territoires conquises, ils ont établi très vite un système de très rigide, n'est-ce pas, d'exploitation, et ils ont utilisé la population civile massivement pour les travaux vraiment d'esclavage. Donc tout ça, ça convergeait à faire détester le soi-disant libérateur. Plus d'un million de Juifs seront tués pendant la guerre à l'Est. Certains éléments de la Wehrmacht participeront aux exactions. Dans un jour du jour adressé à la 6e armée, von Reichenau fait clairement partager la responsabilité des atrocités commises en Ukraine. Le soldat doit être pleinement conscient de la nécessité de représailles justes à l'encontre de la sous-race juive. Remettant plus tard, sur l'injonction d'Hitler, l'offensive décisive sur Moscou, les Allemands déferlent vers le sud. La petite Russie et ses steppes brûlantes et infinies finiront par dévorer la Wehrmacht. La seule fois où Hitler s'est rendu dans les territoires soviétiques occupés, c'est en Ukraine, l'été 1942. Il est convaincu que la guerre à l'Est se gagnera autant sur le plan économique que militaire. Son obsession, s'emparer du blé d'Ukraine et du pétrole du Caucase. Au lieu de concentrer toutes ses forces pour s'emparer de la capitale, Hitler donne l'ordre d'avancer sur Stalingrad, qui est à 1000 km au sud de Moscou. Son objectif, anéantir l'armée rouge en Russie centrale. Ce sera sa plus grande erreur stratégique et la preuve qu'il sous-estimait le problème que posait l'étendue du territoire soviétique et la valeur du soldat russe. Hitler
Hitler a cru que l'armée soviétique est un cul et elle ne l'était justement pas. Mais cette estimation fausse de Hitler l'a amené à dire « Maintenant, je peux continuer tout de suite vers le Caucase ». À la suite de quoi, il a demandé à la 6e armée de ne pas aller dans le Caucase, mais à Stalingrad, parce qu'il voulait avoir Stalingrad. Et c'était là déjà un affaiblissement. Dès la fin de 1941, le rapport des forces commence à s'inverser en faveur de l'armée rouge. Et en août 1942, la Wehrmacht a déjà perdu 4 hommes. Les premiers jours de la bataille, la Luftwaffe écrase la ville sous un tapis de bombes. C'est la plus grosse opération aérienne depuis l'écrasement de Nika pendant la guerre civile espagnole. La prise de Stalingrad en soi n'était pas un objectif essentiel. Ce que visaient les Allemands, c'était le franchissement de la Volga et couper Moscou et Leningrad des régions les plus riches et de l'approvisionnement en pétrole. Dès l'entrée des Allemands dans la ville, en août 1942, à la guerre éclair du début va succéder une guerre rue d'un autre âge. Une Rattenkrieg, une guerre de rats, comme l'appellent les Allemands, qui va durer 6 mois, où il faut conquérir au corps à corps chaque rue, chaque immeuble, chaque tas de pierres. Dans cet enfer, quelques milliers de civils survivent. Ils découpent les cadavres des chevaux, vont chercher l'eau, là, dans la Volga. Et les enfants récupèrent du blé d'un silo resté intact en rampant sous le tir des patrouilles allemandes. La Wehrmacht s'empare avec de grandes difficultés de la plus grande partie de la ville de Staline. Les Allemands, qui en cet automne 42 ont pénétré profondément en Russie qu'aucun autre envahisseur, pensent tenir la victoire. En fait, ils ne réussiront pas à franchir la Volga. Et la mégalomanie Hitler condamnera la 6e armée de von Paulus à l'encerclement et à la mort. La contre-offensive soviétique commence le 19 novembre 1942 sur 3 fronts. Harcelés par Staline, pour qui l'ancienne Tsaritsyne était un vol absolu, les généraux Eremenko, Vatoutine et Rokossovski, qui a récupéré un commandement après avoir été libéré du goulag, ont massé des moyens énormes en matériel et plus d'un million de soldats. ...60% du potentiel blindé soviétique est affecté à l'opération Uranus, nom de code de la contre-offensive. Sentant que la bataille de Stalingrad peut être un tournant non seulement dans la guerre à l'Est, mais dans l'histoire du Troisième Reich, Hitler scelle le destin de la 6e armée en lui interdisant toute reddition. À Noël, Göring et la Luftwaffe échouent à établir un pont aérien. La situation est désespérée. Ils sont là comme des sauvages hirsutes, écrira Grossmann, correspondant de guerre.
dans des cavernes préhistoriques, dévorant de la viande de cheval dans la fumée et la pénombre. Dès le début de la guerre et durant la première phase de la bataille, quand Stalingrad pouvait, sous la poussée, être considéré comme perdu, les désertions se sont multipliées dans les rangs russes, au début très mal lotis en ravitaillement et en munitions. Les soldats doivent ajouter à leur souffrance la répression exercée par le SMERCH, le département spécial du contre-espionnage soviétique. Ces unités arrêtent à l'arrière ceux qui reculent et fusillent tous ceux qui sont soupçonnés de désertion. Les commissaires politiques appliquent l'ordre 270 de Staline. Tout prisonnier de guerre sera considéré comme traître et les familles des chefs d'unité seront fusillées. Après l'encerclement de la 6e armée réalisé dès le 22 novembre, c'est Rokoski qui donnera le coup de grâce aux Allemands. Les premiers T-34 qui entrent en janvier dans Stalingrad en ruine découvrent une armée de spectres, prostrés, accablés par le froid et la famine. Sur les quelques 300 000 hommes qui occupaient Stalingrad, 90 000 seulement ont survécu. Ce sont des morts vivants, à l'exception des généraux qui partent en captivité. Taraudés par la dysenterie, visiblement en état de choc, von Paulus, qui a été fait in extremis maréchal par Hitler, quitte le 31 janvier son quartier général et se rend avec son état-major. Когда мы видим впереди, немцы выходят из траншей и бросают винтовки в кучу. Nous avons vu des Allemands devant nous quitter leur tranchée et jeter leurs fusils au même endroit de façon à former une pile. Alors nous sommes allés les voir. C'était intéressant de voir ce qui se passait là-bas. Et là, vous ne nous croirez pas, il y avait des cadavres gelés qui étaient entassés sur une longueur comme celle de cette salle, c'est-à-dire sur une centaine de mètres. Ce n'étaient plus ces soldats braves comme quand ils poursuivaient leur offensive jusqu'à Stalingrad. Certains avaient des couvertures enroulées autour de la tête, d'autres des fichus ou des robes de femmes. Ils faisaient pitié. Ils avaient des chiffons enroulés autour des pieds. C'était des ersatz de bottes. Ils avaient même fabriqué des chaussures avec de la paille. Ils étaient très doués pour faire différentes choses. Ils avaient donc fabriqué des espèces de galoches qu'ils mettaient sur les bottes pour avoir moins froid. On l'appelait ersatz de bottes. Certains d'entre nous qui devaient s'occuper des chevaux, qui avions quelques chevaux, défaisaient ces bottes pour nourrir les chevaux avec la paille. Voilà, je vous ai dressé le tableau. Maintenant, ils avaient tant de poux. Quand on voyait des tués dont les corps n'avaient pas encore refroidi, on pouvait voir des poux même sur les coutures de leur uniforme. C'était l'état de leur armée. On parlait de la mort comme si on parlait d'une formalité. C'est une des lettres envoyées par les soldats de la garnison de Stalingrad dans le dernier vol en partance pour l'Allemagne. Je ne crois plus que Dieu puisse être bon. Il ne permettrait pas une telle injustice. Je n'y crois plus parce que sinon, Dieu aurait illuminé le cerveau des hommes qui ont déchaîné cette guerre. J'ai interprété la mort sur scène une cinquantaine de fois. Mais c'était seulement du théâtre. Vous étiez assis sur des fauteuils de velours, là devant. Je crois plus en Dieu.
C'est impressionnant de reconnaître combien le théâtre avait peu à faire avec la mort. Ils tombent comme des mouches et personne ne pense à lors de mardi, j'ai détruit avec mon char de T4 bras, que la curiosité avait poussé au-delà de nos lignes. Par la portière, un corps pendait la tête en bas, ses pieds étaient encastrés et il brûlait jusqu'aux genoux. Le corps était vivant, la bouche marmonnait. Mes mains sont parties depuis déjà le début d'un autre qu'un fait biologique. À la gauche, il manque le petit doigt, mais bien pire, comme des mouches, à la droite, les trois doigts du milieu ont été gelés. Hank a joué la Passionata sur un piano. Le piano était là, dans la rue. Il sera bientôt en première ligne. C'est encore d'un certain vote. N'oublie pas que tu dois vivre pour tes enfants. La vie. Prends garde à l'homme que tu choisiras. Fais attention à ses yeux. Pas le moindre drame. De quelle façon il te serre la main ici, même pas moi-même. Je l'ai achevé d'un coup de pistolet. Les larmes coulaient sur mes joues. Propre destruction. Je pleure depuis déjà trois nuits pour ce tankiste russe mort assassiné par moi. Les soviétiques ont perdu 500 000 hommes pour reconquérir la ville de Staline. Ce n'est pas encore le vrai tournant de la guerre, mais c'est une immense victoire sur le plan psychologique. Pour l'Allemagne, c'est la plus grande défaite militaire de son histoire. Goebbels et les hiérarques nazis cherchent à transformer la chute de Stalingrad en une geste héroïque. Ces hommes sont morts pour que l'Allemagne puisse vivre, clame la radio. Les symboles ont changé de camp. Les soviétiques savent maintenant que la victoire est à leur portée. Au début de 1943, malgré tous ses efforts, la Wehrmacht n'a plus les moyens de craindre. La guerre en devient plus bestiale. Le pacte avec la mort, qu'ont signé les jeunes nazis, entraîne toute une armée dans la barbarie. Il y a une haine terrible. La haine des Russes contre l'envahisseur. En plus de la haine des Russes contre l'envahisseur qu'ils avaient surpris, qu'ils avaient trahi. N'oublions pas que Hitler avait cassé le traité qu'il avait conclu avec Staline en 1939. Donc tout ça, ça a contribué à créer un climat très, très, très haineux et très intolérant.
Et c'est là où se sont passés les crimes dans lesquels la Wehrmacht était malheureusement impliquée aussi, mais pas dans la première année. Ça c'est surtout arrivé dans la lutte contre les partisans qui étaient très nombreux en Russie. C'était une certaine tension permanente entre l'idéologie qui était quand même présente partout et notre intime conviction de la conduite même d'une guerre à l'intérieur d'une civilisation occidentale. Mais le communisme, le bolchevisme, ça c'était vraiment une chose qui était très présent à notre esprit. Et l'armée rouge était vraiment l'armée de la révolution mondiale, qu'il fallait combattre pour empêcher que ça puisse enrayer jusque dans l'Allemagne. Mais entre les jeunes officiers et les plus anciens, il y avait très nettement une certaine tension en ce qui concerne l'idéologie, parce que les jeunes étaient beaucoup plus indoctrinés, plus influencés même par le nazisme que les vieux, naturellement. Et ceci s'est amplifié encore tout le long de la guerre, parce que avec les horribles pertes que nos divisions avaient au fur et à mesure que la guerre devenait plus dure, surtout à partir de 1942-1943, les jeunes officiers qui arrivaient pour remplacer ceux qui étaient tués étaient beaucoup plus nazis que ceux qui étaient là avant eux. En 1944, c'est le premier défilé de prisonniers allemands à Moscou. Ceux d'entre eux qui survivront ne rentreront en Allemagne que 10 ans plus tard. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.